Bleu, à présent. Depuis le début du tournoi, les Français ont été plutôt gâtés par l'arbitrage. Inventaire, match après match, contre l'Honduras, Pogba aurait pu se faire expulser. Contre la Suisse, Giroud, pas sanctionné pour le pied haut contre Van Bergen. Contre l'Équateur, deux coups de coude, l'un de Sacco, l'autre de Giroud, qui sont restés impunis. Et puis, point d'orgue, le match contre le Nigeria, pas de carton rouge pour Matuidi, un pénalty non sifflé contre Evra. Alors, l'arbitrage peut-il se retourner contre les Bleus, ce qui peut avoir finalement un mouvement de compensation à travers les matchs. Damien Degore, on en a discuté aujourd'hui lors de la conférence de presse. On en a discuté, mais effectivement, ça, on en a discuté aujourd'hui, on en a discuté hier avec Didier Deschamps. C'est un sujet que les Bleus n'aiment pas forcément aborder. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a que la presse française, me semble-t-il, qui en parle. Même les Allemands n'évoquent pas trop cet aspect de favoritisme, de clémence dont profiterait l'équipe de France. Et donc non, je ne crois pas à un phénomène, un mécanisme de compensation face à l'Allemagne. Je pense que pour le moment, c'est un sujet typiquement franco-français. Okay, franco-français. On ne devrait même pas en parler, Gilles Favard. De quoi? Non, mais moi, je trouve que c'est indécent. La presse française qui s'est pris là-dessus, c'est indécent. Pendant des années, on criait au scandale parce que les arbitres nous ont, entre guillemets, volé. On ne va pas reparler de Séville. Mais là, pour une fois qu'on a, un léger avantage, on ne va pas non plus se flageller. Hein. Okay. C'est quand même un avantage important. La presse doit quand même informer de ce qui se passe. C'est pas toi qui vas me dire ça, le Marseillais, qui a toujours été avantagé chez toi. Écoute, sois gentil. Bah oui, écoute. En quel sens? L'arbitrage à Marseille, vous avez toujours été avantagé. Alors c'est pour vrai? Une fois qu'on a... Oui, non, vous avez des preuves, est-ce que vous avancez? Oui, oui, ça, non, mais il faut des preuves. N'importe quoi. Bon, quelle faiblesse. Oui, quelle faiblesse. Non, non, non. Mais il faut aller jusqu'au bout, alors. Mais non. Mais vous sortir ces machins, les mettre sur la table et dire les choses. Dire les choses. Je peux les dire, les choses, ça, c'est pas un problème. Mais on peut y aller, mais il n'y a pas de problème. Marc, tu peux quand même pas nier qu'il faut arrêter. C'est devenu, ça y est, l'équipe de France, c'est devenu l'équipe la plus avantagée. Attendez. Non, attendez, les gars, c'est pas forcément le sujet. On va marquer une petite pause, faire une pub, et puis discuter pendant la pause. Faut qu'on se calme. De l'arbitrage à Marseille. Allez, à tout de suite.